Bonjour les filoutes. Regardons comment installer sa machine en un tour de main. Pour procéder à l'enfilage du fil du haut, on commence par tourner le volant vers soi pour relever l'aiguille et son petit œillet. On place ensuite la bobine de fil sur son axe en la maintenant avec son petit chapeau. On passe le fil derrière le guide fil, puis entre les ressorts de prétension. On descend le fil via la rainure droite, puis on le remonte via la rainure gauche pour le passer de droite à gauche dans l'œillet qu'on a remonté. On descend alors ce fil derrière le guide fil horizontal, puis derrière le pince-aiguille. Il ne reste plus qu'à enfiler l'aiguille de l'avant vers l'arrière. Pour utiliser l'enfileur automatique, qui est bien pratique, l'aiguille doit être en position haute. On passe le fil devant le premier crochet tout à gauche, puis devant l'aiguille et derrière le mini-crochet à droite. On relâche le tout et il ne reste plus qu'à tirer le fil derrière l'aiguille. On peut tirer environ 15 cm de fil. Pour installer la canette, on arrête sa machine par précaution. On attrape sa canette et on déroule le fil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On l'installe dans son compartiment et on tire le fil vers soi pour le faire passer dans la fente située devant. On le ressort par l'encoche derrière. On tire un peu le fil et on replace le capot. Pour relever le fil de la canette, on tourne le volant vers soi pour abaisser et relever l'aiguille. Le fil de la bobine va ainsi faire le tour de la canette et récupérer le fil de la canette. Il suffit ensuite de tirer légèrement sur le fil supérieur de sa main gauche pour faire ressortir les fils à travers l'orifice de la plaque. On peut récupérer le fil de la canette avec la pointe de ses ciseaux. On replace les fils derrière le pied presseur et on est paré. Regardons comment faire quand on a envie de changer la couleur de sa canette ou tout simplement de remplir une canette vide. On insère la bobine sur son axe en la maintenant avec son chapeau. On attrape le fil pour le passer à travers le guide fil et on l'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre autour des disques de tension. On peut alors enfiler sa canette en faisant passer son fil par le petit trou du disque du haut, de l'intérieur vers l'extérieur. On positionne la canette sur l'axe du bobineur et on pousse le tout vers la droite. On allume sa machine et on appuie sur la pédale pour commencer à remplir la canette. On maintient le fil pendant les premières secondes, puis on peut lâcher. Quand on a assez de fil, on lève le pied, on coupe les fils, et on repousse l'axe du bobineur sur la gauche. À vous de jouer !